Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà comment, au début de cette célébration, nous avons fait mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur est toujours pour nous celui qui vient. Comme dans toute célébration liturgique, nous ne reproduisons pas des événements du passé, même si ces événements sont les plus importants de l'histoire. Nous ne nous souvenons pas des jours saints, simplement en les évoquant, en les mimant, mais en les actualisant, en les vivant pour de vrai. En toute célébration, nous accueillons le Seigneur qui vient. Et aujourd'hui, il vient à nous. Aujourd'hui, il vient à nous à la fois sous les traits du roi, rayonnant de gloire, et du serviteur humilié et souffrant. Ces deux éléments, la royauté triomphale du Christ et sa passion douloureuse, ne sont pas simplement juxtaposés dans notre célébration, comme peut-être nous l'imaginons spontanément. Non, nous savons bien, au fond de notre cœur, que le mystère de Pâques est un. Par sa mort, le Christ a vaincu la mort et nous a donné la vie. Et pourtant, avant de confesser dans la nuit pascale la victoire du Christ ressuscité, il nous faudra bien revivre l'itinéraire de sa passion. Il nous faudra cheminer douloureusement avec lui, trahi par un baiser, abandonné par les siens, traîné devant le grand conseil, livré à Pilate, flagellé, couronné d'épines par les soldats, chargé du bois d'infamie et cloué en croix. Oui, il nous faudra bien affronter avec lui les ténèbres et le silence du Golgotha. Il nous faudra bien le suivre jusqu'à la mort. Hosanna, béni soit celui qui vient. Béni soit celui qui vient visiter notre souffrance et notre mort. Béni soit celui qui vient porter nos blessures. Béni soit celui qui vient et qui nous donne sa vie par amour. Mais nous venons de l'entendre, juste après la mort de Jésus, au cœur du silence, une voix se fait entendre. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Comme c'est étonnant. Au terme d'un parcours éprouvant, où nous avons vu l'abandon progressif des proches de Jésus, de ses disciples, de ses apôtres, de ses amis et peut-être aussi de nous-mêmes, voilà qu'un centurion païen confesse que Jésus est fils de Dieu. On peut dire qu'il est même le seul, dans le récit de la Passion, à prononcer une parole juste sur Jésus. Il fait ainsi écho au début de l'Évangile, selon saint Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est comme si tout l'évangile de Marc conduisait à ce sommet, à cette phrase, qui coïncide avec la mort même de Jésus. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Et dans le même temps, le voile du temple se déchire, signe de la pleine révélation de Dieu. Et là où nous avons été tentés de détourner le regard, les yeux du centurion, cet homme anonyme, s'ouvrent.
et reconnaissent le mystère de gloire caché dans l'horreur de la croix. Hosanna, béni soit celui qui vient éclairer notre regard. Béni soit celui qui nous donne de voir l'invisible et de reconnaître l'amour, l'immense amour de notre Dieu. Chers frères et sœurs, c'est donc avec cette confession de foi du centurion que je vous invite à entrer dans cette grande et sainte semaine. Alors si nous l'appelons la grande et sainte semaine, il faut bien comprendre pourquoi. Nous ne l'appelons pas grande parce que les autres semaines seraient petites. Nous ne l'appelons pas sainte comme si elle était la seule semaine à devoir être sainte. Peut-être pourrions-nous l'appeler la plus sainte des semaines. Puissent toutes nos semaines devenir saintes par la grâce du Christ qui vient. Oui, accueillons en vérité et avec confiance celui qui vient à nous en cette plus sainte des semaines. Qu'il fasse son entrée non seulement à Jérusalem, la ville sainte, mais dans notre cœur pour qu'il devienne davantage saint, comme lui seul est saint. Qu'il soit totalement en nous, qu'il nous établisse tout entier en lui et lui tout entier en nous. Oui, béni soit celui qui vient et nous entraîne dans sa Pâque. Béni soit celui qui vient et nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Thank you.